Moi sur ce plateau, Jean-Claude Félix Chikaya, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. On va revenir ensemble sur cette journée de vote, journée peut-être historique en République démocratique du Congo. D'abord, pour commencer, quelle crédibilité on peut donner à cette journée, à ce scrutin bah, une crédibilité quelque peu euh, discutable. Hein. On voit qu'il y a eu une initiative assez euh, remarquable à Beni et Boutambo, où euh, la volonté euh, déterminée euh, des euh, Congolais euh, au nombre d'un plus, plus d'un million deux cent mille qui ont été donc euh, empêchés de voter ont quand même effectué un vote populaire, bien sûr, qui ne sera pas pris en compte, mais ça montre la, vo la volonté, mais aussi la faisabilité, euh, malgré Ebola, euh, la situation sécuritaire qui euh, préexistait avant la, la décision. Et puis il y a d'autres euh, situations géographiques où, euh, au Congo, en RDC, où il y a la même situation et on n'a pas empêché euh, euh, cette partie euh, qui est quand même acquise à M. Euh, Fayoulou, voire M. Tshisekedi. En tout cas, c'est une partie du, du, de la géographie de, de la RDC qui veulent euh, plus qu'une transmission, mais une, une transition euh, démocratique. Et c'est assez euh, singulier et, euh, et assez beau à voir d'ailleurs qu'il y ait eu. Euh, euh, donc c'était là. Plan de la légitimité. Comment donner une légitimité euh, quand une partie euh, de votre pays am amputée sur le plan euh, législatif Il euh, y a la discussion sur la légitimité, mais la légitimité aussi sur le côté chaotique. Quand même, euh, on parlait de Kinshasa, mais dans d'autres villes aussi, euh, ça a été donc. Euh, après, on, on parle de deux ans de report, certes, mais le pouvoir a eu sept ans. En, le, le, le vote devait se passer, en, se dérouler en 2016. Il y a eu deux ans de report pour avoir un tel dimanche avec des dysfonctionnements. Mal organisé donc selon vous Bien sûr, de tels reports, de tels ratés, de tels manques, de tels tel 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 manque, tel dysfonctionnements. Où on voit que euh, le pouvoir et l'institution est exsangue. Et c'est ce que euh, nombre de Congolais ne supportent plus. Parce qu'on peut retrouver ce côté euh, dysfonctionnel, ce, tout s'est raté dans la vie de tous les jours, sur le plan économique, sur le plan social. Et là, il y a un ras-le-bol où il euh, y a une entrave, une obstruction euh, à l'action euh, citoyenne et démocratique pour tous les citoyens. Comment expliquer que euh, la RDC ait refusé toute aide logistique de l'ONU, justement oui, et pas seulement de l'ONU, parce que d'autres institutions, au regard des réalités, des éléments qui nous démontraient, et puis il y a eu d'autres scrutins où malheureusement, c'était pas si bien organisé que cela, parce qu'on parle du côté vaste du, du Congo, de la RDC, mais le pays a toujours été aussi vaste. Donc euh, le pouvoir, devant ses manques, devant les dysfonctionnements, n'a pas, pas voulu d'aide euh, en nous disant, euh, prétextant que ce serait un petit peu une ingérence, une intrusion dans la vie politique et la souveraineté, euh, la RDC. Les, les institutions ont pris acte euh, qui voulaient donner leur, acte, le, leur aide de, de cette décision. Et voilà ce dimanche où certains n'ont pas pu voter. Des, des, des bureaux de vote, au lieu d'ouvrir à 6 heures, ouvrent à 14 heures. En 2018, en 2019, c'est quasi surréaliste. Nous sommes dans la fiction qui est dépassée par une réalité assez triste sur le plan démocratique, sur le plan de la citoyenneté d'une bonne partie du, du, du peuple congolais, assez jeune, qui en a plus que, que Mars, sur le, parce que c'est ce un petit peu la démonstration ce dimanche de ce que ne supporte plus une bonne partie des, des Congolais. Alors le pays, euh, on va le souligner, n'a jamais connu de transition pacifique du oui. pouvoir jusqu'à présent. Cela serait une première si les résultats sont acceptés, reconnus et respectés par tous. Mmh. Vous y croyez alors, euh, <laughs> je suis assez circonspect, euh, assez sceptique, euh, même si je ne peux pas tout dire parce que tous les bureaux ne seraient pas fermés, mais ce qu'on peut dire là, ce soir, au moment où on parle... Euh, malheureusement, M. Chadari du pouvoir dit euh, depuis ce matin qu'il aurait déjà gagné. Donc, avant que les, les bureaux venaient d'ouvrir, il avait déjà euh, gagné, ce qui n'est pas très rassurant euh, sur quelqu'un qui euh, euh, veut la, la place suprême dans le pays. Il aurait pu retenir un petit peu son enthousiasme et, et la loi, euh, normalement, ne lui autorise pas un tel, un tel enthousiasme, une telle déclaration. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'une bonne partie des Congolais veulent une transition. Si M. Chadari, dont je parlais euh, il y a quelques secondes, euh, se, venait à l'emporter avec toutes les discussions que cela peut faire émerger, les Congolais ne verraient pas une transmission, une, tran une transition. Ils verraient plutôt. Euh, une continuité, un continuum, euh, malheureusement historique, comme vous l'avez dit, depuis euh, plus de quatre décennies, euh, et depuis, depuis les indépendances. Euh, c'est un pays qui est souvent confronté à une violence politique. Il n'y a pas eu de transition démocratique. Donc, ce qui est espéré euh, par beaucoup de Congolais, c'est une véritable transition. Soit vers M. Fayoulou, qui aurait rattrapé euh, euh, son retard euh, sur le plan des sondages, mais si on n'a pas le droit de parler des sondages, devant M. Tshisekedi. En tout cas, euh, peut-être qu'on aura un accord euh, des oppositions, si l'un ou l'autre était devant, pour gouverner ensemble, pour permettre une véritable transition et une véritable écoute et représentativité légitime là de, des, des congolais qui ont envie que ça change. Merci, merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya d'être venu sur le plateau de France 24. Malheureusement, on ne peut pas poursuivre davantage <laughs> cette conversation. On va passer au reste de l'actualité. Une autre élection avait lieu aujourd'hui au Bangladesh. Cette fois, selon